parole de Dieu sera lue dans Proverbes, the word of God, chapitre 28, verset 13. The word of God will be read in Proverbs, chapter 28, verse 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Si tu es un invité, tiens-toi debout. Let us bless the guests first. If you are a guest, stand on your feet. Nous vous avons invité. We invited you pour votre bénédiction. For your blessing. Et votre présence, and your presence, montre que vous aimez Dieu, shows that you love God. Vous allez quelque part, you go somewhere, tout simplement parce qu'on a dit Jésus, vous êtes là. Simply because they told you Jesus, you are here. Donc, tendons nos mains et bénissons-les. Let us stretch our hands and bless them. Vous écoutez la prière. You just listen to the prayer. Demandons que Dieu les bénisse. Let us pray that God blesses them. Que le but pour lequel le Seigneur les a fait venir parmi nous soit accompli. That the purpose for which the Lord sent them in our midst be fulfilled. Certains sont poursuivis par les démons. Some are pursued by demons. Il faut que ces démons quittent leur vie. These demons must leave their lives. Certains ont peut-être essayé de servir Dieu. Some maybe tried to serve God. Mais le péché les a empêchés d'aller loin. But sins prevented them from going far. Ils sont sincères. They are sincere. Mais ils sont faibles. But they are weak. Dieu doit résoudre leurs problèmes. God must solve their problem. Certains sont même des serviteurs de Dieu. Some are even servants of God. Mais ils ont choisi l'humilité. But they chose humbleness. En disant, saying, il faut que j'aille me ressourcer. That I should go and get fed again. Dieu doit penser à toi. God must think of you. Il y en a qui sont malades. Some are sick. Des maladies chroniques. Chronic sicknesses. Nous ne pouvons pas les aider. We cannot help them. Mais Jésus est là pour ça. But Jesus is here for that. Ne nous regardez pas. Do not look at us. La personne qui vous a invité, the one that invited you, va t'écouter. Will listen to you. Parce que c'est un temps d'intercession. Because this is a moment of intercession. L'intercession. Intercession. Pour invoquer le nom du Seigneur éternel. To call upon the name of the Lord God. Pour le salut de nos familles. For the salvation of our families. Et comme tu es là. And as you are here. Toi aussi tu vas prier pour ta famille. You will also pray for your family. Mais nous allons d'abord vous donner un conseil. But first of all, we are going to give you an advice. Pour votre réconciliation avec Dieu. For your reconciliation with God. Pour que le ciel. So that heaven. S'ouvre. Be opened. Et que. Si Jésus revient, and that if Jesus comes, que tu aies la vie éternelle, that you have eternal life. Parce qu'il a dit, because he said, cherchez premièrement le royaume des cieux et seek, toute la justice de Dieu. Seek you first the kingdom of God and the right and its righteousness. Tu cherches le royaume, you seek the kingdom, tu cherches la justice de Dieu. And you also seek the its si righteousness. Dieu voit ça, if God sees this, je ne te dis rien. I will not tell you anything. Prions ensemble. Let us oh pray Père, bénis nos frères. Bénis leur déplacement jusqu'à ce lieu. Accomplis les desseins pour lesquels tu les as invités. Bénis-les, Seigneur. Et résous le problème de chacun. Ouvre l'intelligence de chacun. Parle dans le cœur. Parle dans le cœur de chacun. Ne permets pas, ô Dieu,
que les démons distraient quelqu'un. Que ta parole ne soit pas volée par le diable. Qu'elle tombe dans des cœurs fertiles. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Thanks a lot. Get seated, please. Nous avons lu. We have read. Une parole dans les Saintes Écritures. A word in the Holy Scriptures. Qu'est-ce que cette parole dit? What does this word say? Celui qui cache. The one that hides. Ses péchés. It's his sins. Ne peut pas prospérer. Cannot prosper. Celui qui cache. The one that hides. Ses péchés. His sins. Ne peut pas prospérer. Cannot prosper. Celui qui les avoue. The one that reveal them. Et les abandonne. The one that confess them and abandon them. Obtient le pardon de Dieu. Receive the forgiveness of God. Retenez ce verset-là pour toujours. Keep this verse in mind forever. Que personne ne te trompe que la Bible est difficile à comprendre. Let no one deceive you that the Bible is difficult to understand. La Bible n'a pas été écrite pour les anges. The Bible was not written for angels. La Bible a été écrite pour les hommes. The Bible was written for men. Donc Dieu a rendu la chose compréhensible par l'intelligence de l'homme. So God made the thing understandable by the intelligence of man. Écoutez ce que dit le verset. Relis. Listen what it says. Écoutez, read it again. C'est simple. Simple. Mais ça introduit dans la présence de Dieu. But it takes you into the presence of God. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Ce soir, this evening, ne cache rien à Dieu. Do not hide anything to God. Il va même rire. Si tu fais ça, il va rire. He will even laugh at you if you do it. Dans le psaume 2, il dit que il rit. Quand il voit ça, il rit. In Psalm 2, it says that when he sees this, he laughs. Quelqu'un qui voit tes intestins, il voit le sang qui circule en toi et tu veux lui cacher que tu es adultère. Someone who sees your intestines and the blood that runs in you and you want to hide him that you are adultery. Il te connaît. He knows you. Il te voit. He sees you. Il te connaît. He knows you. Il te voit. He sees quand you. Ton cœur bat. When your heart is beating. Il connaît le rythme. He knows the rhythm. Quand Adam a péché, when Adam sinned, il a eu peur. He was afraid. Il s'est caché. He hid himself. Mais Dieu l'avait déjà vu. But God had already seen him. Il dit à Dieu, je suis nu. Dieu dit, qui t'a dit que, qui t'a appris que tu étais nu? He told God, I am naked. And God told him, who told you that you are naked? Il connaissait. Il veut seulement montrer à Adam que tu es ma créature. He knew, but he simply wanted to let Adam know that you are my creature. En essayant de me cacher, tu péris pour rien. By trying to hide yourself from me, you are perishing. Celui qui cache ses péchés. He who hides his sins ne peut pas prospérer. Cannot prosper. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne sera jamais béni par Dieu. What does it mean? He will never be blessed by God. Parce qu'il est dit. Because it is said. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit les hommes. It is the blessing of the Lord that enriches men. Quand Dieu décide. When God decides. Qu'il ne te bénira jamais. That he will never bless you. Tu es perdu. You are lost. Tu es perdu. You are lost. Celui qui cache ses péchés. He who hides his sins. Ne prospère point. Never prosper. Mais celui qui les confesse à Dieu. But though the one, he who confesses them to God. Et qui les abandonne. And forsakes them. Celui-là. That one. Est pardonné. Is forgiven. Tu seras pardonné. You will be forgiven. Ce soir, ici. This evening, here. D
Si je proclame, que celui qui cache ses péchés ne prospère point. That he who hides his sins don't prosper. Mais celui qui les confesse. But that the one that confesses them. Celui qui les reconnaît devant Dieu. The one that recognizes them before God. Et qui les abandonne. And who abandons them. Est pardonné. Is forgiven. Si quelqu'un te trompe. If someone deceives you. N'écoute pas. Do not listen. Si ce soir, if this evening, tu confesses le péché, you confess your sins. Si quelqu'un te trompe que Dieu n'a pas écouté, ne crois pas. If somebody deceives you that God didn't will not listen to you, do not believe. Est-ce que vous me suivez même? Are you following me well? Si quelqu'un dit à Dieu ce soir, oh Père, if someone tells God this evening, oh Father, je suis un voleur. I am a thief. Pardonne-moi. Forgive me. J'arrête. I stop. C'est fini. It's finished. C'est fini. It's finished. Tu ne payes rien. You pay nothing. Ça ne coûte rien. It costs you nothing. Si tu confesses ton péché. If you confess your sins. Si tu demandes pardon à Dieu. If you ask God to forgive you. Si Dieu te pardonne. If God forgives you. Si je te maudis. If I curse you. La malédiction va retourner et tomber sur moi. The curse will come back and fall on me. Il a dit. He said. Je serai l'ennemi de vos ennemis. I will be the enemy of your enemies. L'adversaire de vos adversaires. The opponent of your opponents. Il a dit, je maudirai celui qui te maudira, je bénirai celui qui te bénira. He said, I will curse the one that curses you and bless he who blesses you. Donc, nous ratons les bénédictions. Inutilement. So we miss blessings uselessly. Mais tu n'es plus de ceux-là. But you are no more of those ones. Tu ne peux plus rater les bénédictions gratuitement. You will inutilement. You will no more miss blessings uselessly. Mais je vais vous expliquer comment on met ça en pratique. But I'm going to explain you to tell you how this is put in practice. On appelle ça la repentance. We call it repentance. Comment est-ce qu'on fait la repentance? Quand vous entendez le mot la repentance, repentance. How, when you hear the word repentance, how do we carry out repentance? Là, nous allons rapidement parce qu'il faut prier. Donc, je vais expliquer rapidement. Je vais demander à ceux qui veulent se repentir de venir et on va commencer le combat suivant. So we need to pray. So I'm going to explain it very quickly. Le but, the purpose, c'est pour être un enfant de Dieu. Is for you to become a son of God. Le but n'est pas d'abord pour manger, pour que Dieu te donne la nourriture, non. The aim is not first for you to eat, that God gives you food. C'est pas que Dieu te donne l'argent. It's not that God gives you money. C'est d'abord, it's first of all, parce qu'il est notre Père. Because he is our Father. Nous l'avons abandonné. We abandoned him. Nous devons revenir à lui. We must come back to him. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Pour se repentir, to repent, tu dois faire quatre choses fondamentales. There are four basic things, quatre, that you must do. Lisez pour nous Jérémie chapitre 2 verset 23. Read for us Jeremiah. C'est la première chose. Jeremiah chapter 2 verse 23. Comment dirais-tu? Je ne me suis point souillé. Je ne suis point allé après les Baals. Regarde tes pas dans la vallée. Reconnais ce que tu as fait. Dromadaire à la course légère et vagabonde. Amen. Il y a une catégorie de personnes que Dieu n'aime pas. There is a category of people God that doesn't love. Les gens qui ne reconnaissent pas qu'ils sont mauvais. Those who do not recognize that they are evil. Il y a des gens. There are people. Un homme peut chasser sa femme. A man can drive his wife out. Mais il va à la messe ou bien il va à la prière. Quelqu'un qui a chassé sa femme. Someone who has cast his wife away,
He can go to prayer or to the mass. Mais il va à l'église. But he goes to church. Ça, c'est très dangereux. This is dangerous. Il peut vivre dans l'adultère. He can live in adultery. Mais il a une grosse Bible. But he has a big Bible. Il peut être, certains sont à la chorale. Some are in a choir. Et Dieu dit. And God says, comment tu peux dire que tu n'as pas péché? How can you say that you haven't sinned? Comment tu peux vivre comme si tu étais normal? How can you live as if you are normal? Il dit, he says, regarde tes, vous savez quand quelqu'un marche. You see, when someone walks, les traces restent sur le sable. The tracks, the steps are on the Dieu sand. Dit, regarde tes traces. Regarde. And God says, look at your steps. Comment tu peux dire que tu es normal? Qui va sur le marabout là? C'est pas toi qui marchais là. How can you say that you are normal? Who is the one who goes to the? Ce sont pas tes traces là pour aller chez la prostituée ou le prostitué. Are these not your footsteps when you were going to the prostitute? Ce n'est pas toi qui luttais avec ton ami hier. It's not you who was fighting with your friend yesterday. C'est pas toi qui mettais la main dans le sac pour voler. Are you not the one who put your hand in the bag to steal? Même quand certains sont assis là, le film défile déjà dans leur esprit. Even when you are sitting there, the film is moving in your spirit. Voleur. Thief. Dieu t'a vu. God saw you. Adultère. Adultery. Dieu t'a vu. God quand has tu seen te masturbes là, when you masturbate les gens yourself, ne te voient, mais Dieu te voit. People don't see you, but God sees you. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il dit, comment tu peux dire que tu n'es pas souillé? Regarde tes pas. Quand tu allais commettre ce péché, regarde toi-même. He says, how can you say that you are not defiled? Look at your steps, your footsteps, when you were going to commit that sin. Et il dit, and he says, reconnais. Recognize. Dès que tu dis, Seigneur, as soon as you say, Lord, je suis mauvais. I am bad. Je suis menteur. I am a liar. Si tu reconnais ça, if you just acknowledge this, ça c'est la première épreuve. This is the first test. Tu as 10 sur 10. You have 10 out of 10. Parce qu'il y a quatre choses. La première chose c'est reconnaître d'abord. Because there are four things. The first thing is first of all to recognize it. Il y a des gens qui disent je connais des petits péchés, des petites fautes. Some people say, there are people who say, I commit just little sins, little mistakes. Quand je vois quelqu'un, je lui donne à manger. When I see somebody, I give him food. Je suis bon. I am good. Je ne provoque pas les gens. I don't provoke people. C'est faux. It's false. Regarde tes pas. Look at your footsteps. Regarde tes pas. Your footsteps. Et la Bible dit. And the Bible says. Tous ont péché. All have sinned. Et sont privés de la gloire de Dieu. And fall short of the glory of God. Il n'y a aucun être humain. There is no human being qui est sorti de ce maternel étant sans péché. Who came from his mother's womb without being with sins. Donc, n'essaie même pas de montrer que tu es bien. Il n'y a personne sur la terre. So, do not even try to show that you are good. There's no one on earth. Je te prêche là. Je ne suis pas né avec le micro. I am preaching to you. I'm not born with a microphone. Je suis devenu enfant de Dieu en 1981 volontairement. I became a child of God, a son of God, willfully in 1981. On m'a parlé comme je suis en train de te parler là. Someone spoke to me as I'm speaking to you. Donc personne ne doit faire l'orgueil devant Dieu. So no one should be proud before God. Quand tu vois l'autre, tu dis, c'est lui-là, c'est péché, pour lui c'est trop. Non. When you see someone, ta part là, say, va te mettre dans le lac de feu. This one, his sins are too many. No. Your portion should be put into the lake of fire. Reconnais ce que tu as fait. Reconnais ce que tu as fait. Acknowledge what you reconnais ce que tu as fait. Acknowledge what you have done. Et il dit, and he says, dromadaire à la course vagabonde. A donkey whose race is going anywhere. Lis le verset 20, le verset qui suit. Read the verse that follows. Un sauvage
habitué au désert, haletante dans l'ardeur de sa passion. Qui l'empêchera de satisfaire son désir? Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer. Il la trouve pendant son mois. Amen. Vous savez, certaines femmes, on ne perd même pas le temps. You know, some women, we don't even waste time. Tu peux faire ça. You can do this. Elle te suit seulement. And she just only follows you. Elle te suit en souriant. And she follows you, smiling. Dieu t'a vu, il dit qu'elle n'est même pas difficile. God saw you, he says that you are not even difficult. Tous ceux qui te cherchent te trouvent. All those who seek you find you. Si quelqu'un veut faire les petits essais d'entraînement là, il vient d'abord vers toi. If someone just wants to train himself, he comes first to you. Quand il est rodé maintenant, il commence à chercher les rombières rodées. When he knows it well, then now he seeks other women. Tous ceux qui la cherchent la trouvent. Quelle espèce de fille ça? All those who seek her find her. What kind of woman is this? Ton père a honte, ta mère, tous tes frères. Your brother is ashamed. Your father is ashamed. Everybody, they are calling you. Quand tu marches, when you walk, c'est comme ça. It's like this. Dès que quelqu'un fait, I see now somebody say, est-ce que c'est ton nom? Is it your name? Facile. Easy. Dieu va te changer. God is going to change you. Tu vas étonner les gens. You will surprise people. Je te dis la vérité. I'm telling you the truth. Et puis, il y aura des jours, ça va te donner la joie. And there will be days when it will give you joy. Quand tu vas recouvrer ta dignité. When you will recover your dignity. Que avant de t'aborder, on demande comment s'appelle-t-elle. And before they come to you, they ask you what is her name. On se rassure qu'on maîtrise bien l'orthographe de ton nom. They make sure that they master the orthography of your name. Avant, on ne cherchait même pas connaître ton nom. In the past, they didn't even seek to know your name. À partir de maintenant. Starting from now. Ça sera. It will be. Comment s'appelle-t-elle? What's her name? Son nom. Her name. Et puis, on regarde bien. They look it well. On dit, Pauline. And they say, Pauline. Et puis tu, avant de répondre, même tu regardes. Before answering, you look. C'est le pasteur Meunier ou bien c'est un bandit? Is it Pasteur Meunier or is it a bandit? Acclamons pour Jésus. Let us clap for Jesus. Non, tu es béni. No, you are blessed. Tu es béni. You are blessed. Dans quelques minutes, tu changeras de camp. In few minutes. You will change sides. Lis le chapitre 3, verset 18. Verset 13. Read chapter 3, verse 13. Jérémie, chapitre 3, verset 13. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous toute âme vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Amen. C'est le même message. It's the same le premier point. Preface. Reconnais ce que tu as fait. Recognize what you have done. Reconnais que tu as été infidèle. Recognize that you have been unfaithful. Reconnais que tu as visité les marabouts. Tu es allé chercher les féticheurs. Recognize that you went to visit the fetish priests. And the witch doctors. Reconnais que tu lisais les horoscopes pour connaître ton avenir. Recognize that you used to read horoscopes to know your future. Reconnais que tu as tenté même de t'inscrire à la Rose Croix. Recognize that you even tried to write your name in Rosy Cross. Ou bien tu es même dedans. And that you are even in it. Franc-maçonnerie. Freemasonry. Maïkaré Vaudou. Maïkaré Vaudou. Tout ça, tu veux quoi, la protection? All these, what do you want, protection? Reconnais. Recognize. Un petit a rendu témoignage là. A young brother testified here. Il a pratiqué le broutage. Il croyait qu'il allait être millionnaire. He used to be a hawker. He thought he would be a millionaire. Zéro. Zero. Le voilà au pied de Jésus. Here,
He is at the feet of Jesus. Si tu n'es pas arrivé en retard, je crois que tu l'as vu. If you did not come late, I thought you saw him. Jésus Christ. Jesus Christ. Deuxième étape. Second step. La confession. Confession. Nous avons déjà lu un verset. We have already read a verse. Proverbe 28, verset 13. Proverbs 28, verse 13. Celui qui cache ses péchés, the one that hides his sins, ne prospère pas. Will not prosper. Celui qui les confesse, the one that confesses them, obtient miséricorde. Obtain mercy. Donc, après avoir reconnu ce que tu fais, so after acknowledging what you do, après avoir reconnu ce que tu as fait, after recognizing what you have done, tu confesses, tu parles maintenant. You confess then. You after you confess, that is, you speak now. Tu dis à Dieu, je reconnais. You tell God, I recognize. Je ne peux pas me cacher. I cannot hide myself. Tu vois tout. You see all. Tu sais tout. You know all. Pardonne-moi. Forgive me. Lis Jérémie chapitre 8, verset 4 au verset 6. Read Jeremiah chapter 8, reading from verse 4 to verse 6. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'homme tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit, qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Amen. Écoutez ça très bien. Listen carefully. Écoutez ça très bien. Listen carefully. Jérémie est un prophète que Dieu a utilisé pour la repentance d'Israël. Jeremiah was a prophet that God used for the repentance of Israel. Dieu lui dit, God tells him, va, go, demande aux enfants d'Israël. Ask the children of Israel. Que est-ce que quelqu'un peut se détourner sans revenir? Si on te dit que ce n'est pas là-bas la porte de sortie, que c'est de ce côté, qu'est-ce que tu fais? Tu changes. So can someone turn away without coming back? If you go in somewhere and they say that it's not the exit, what si, do? You change. Si tu vois quelqu'un, if you see someone, on lui dit que non, c'est pas par là, c'est derrière. Et il ne fait que s'avancer. They told him that this is not there. It is tout le monde lui dit, mais attends, he only goes. He only goes. Il n'est pas normal. He's not normal. Si tu croises un tel homme, il a des problèmes dans la tête. If you meet such a man, he has troubles in il his est mind. Malade. He is sick. Un homme normal. A normal man. Dès qu'il découvre qu'il s'est trompé de direction. As soon as he discovers that he has mistaken il the fait direction. He makes a U-turn. Et Dieu lui dit, and God tells him, demande-leur. Tell them, ask them. Est-ce qu'ils ont déjà vu quelqu'un? Have they ever seen someone qui est tombé? Who has fallen down? Et qui ne s'est jamais relevé? And who never rose up? C'est-à-dire, il a glissé, il tombe, il reste là. That is, he slid and fell, and he remains there. Les gens viennent, qu'est-ce que tu as? Then people come, what do you have? What do you have? Il a plu, j'ai glissé. He said, it rained, I slid and I fell. Que c'était en 73. And it was in 73. Il a glissé, il est tombé. He slid and fell. Il est couché là. And he's lying there. Si tu vois quelqu'un qui tombe, if you see someone who falls, il ne se relève pas. And never get up. C'est qu'il est mort. It means that he's dead. Et quand nous étions tout petits, when we were still, we on were still jouait children, beaucoup et on tombait beaucoup. We used to play a lot and we fell a lot. Dès que tu tombes là, as soon as you fall down, courant, tu es en train d'enlever la poussière. You stand up and while riding, you are removing the dust. Mais un adulte qui glisse, qui tombe, il reste là, je suis faible. An adult who slides and falls and remains there, Dieu ne l'accepte pas ça. God does not accept this. Dieu veut dire,
God wants to say, je peux comprendre, I can understand, que tu es glissé et tombé, that you slide and fall down. Mais je ne comprends pas, but I don't understand, que tu restes couché, that you remain lying down. Dieu n'accepte pas ça. God does not accept this. Tu peux expliquer, aie pitié de moi, Seigneur. You can explain, have mercy on me, Lord. He does not understand this. Hallelujah. Praise the Lord. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Toi qui es tombé, lève-toi. You who are fallen, rise up. Beaucoup parmi vous, many among you, étaient debout des vrais croyants, were up. True believers. Ils sont tombés, ils rongent, ils boivent la boue. They fell and now they are drinking. They are drinking the mud. La vie chrétienne est difficile. Christian life is difficult. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Lève-toi. Rise up. Dieu dit, tombe-toi sans se relever. God says that someone fall down without rising up. Tu ne peux pas tromper Dieu. Il t'a créé. Il sait que tu peux. You cannot deceive God. He is the one who created you. He knows that you can. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Tombe-t-on sans se relever? Does a man fall down without rising up? Tous ceux qui sont tombés. All those who fell. Ce jour. That day. Est un jour de grâce. This day is a day. Tu vas te lever. You will rise tu up. Tu vas te lever. You will rise up. Tu vas te lever. You will rise up. Au nom de Jésus-Christ. In the name of tu Jesus, vas te lever. You will rise up. Et tu vas vivre. And you will live. Tu vas vivre. You will live. Et il y a quelqu'un qui va pleurer. But, and there's someone will cry. Le diable. Will weep. The devil. C'est lui seul qui va souffrir. He alone will suffer. Nous tous là. All of us. Ça sera la joie. It will be the joy. Au ciel. In heaven. La joie. Joy. Ici à Tekwa. Ici. Here in Tekwa. Joy. Joy. Écoutez une autre chose. Listen to another thing. Dieu. God. Écoute ce que nous lui disons. Listens to what we say. We tell him. Lis le verset 6. Read verse 6. Jérémie 8, verset 6. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Écoutez ça très bien. Listen carefully. Dieu dit, God says, quand nous allons commencer à demander pardon tout à l'heure, when we start asking God to forgive, ou alors, in a while, peut-être que tu l'as même fait un jour, or maybe you have done it one day, quelque part, somewhere, peut-être ce que tu ne savais pas, but what you didn't know, c'est que Dieu écoute attentivement les phrases qui sortent de la bouche de celui qui veut se repentir. Is that God listens attentively to the words that comes from the mouth of the one who is repenting. Il dit, je suis attentif et j'écoute. He says, I am attentive and I'm listening. Après avoir écouté, and after listening, il dit, non, il ne parle pas comme il devrait. He said, no, they don't speak as they should. Il s'amuse. He's joking. Quelqu'un qui vole. Someone who steals. Qui ment. Who lies. Qui a falsifié les dossiers, qui vit de corruption. Who has falsified his file and live out of corruption. Un monsieur qui vieillit dans le concubinage. A man who grow old in concubinage. Quand il veut se repentir. When he wants to repent. Il dit, Seigneur, pardonne mes petits péchés. He said, Lord, forgive my little sins. Merci pour ta bonté. Thank you for your goodness. Oh, Dieu de tout amour. Oh, God of all love. Soutiens ma foi. Support my faith. Amen. Amen. Dieu dit, regarde celui-là. God says, look at this one. Je suis attentif. I am attentive. J'écoute. I'm listening. Après avoir écouté. And after listening. Il dit. They say. Il ne parle pas comme il devrait parler. They don't speak as they should speak. Quelqu'un qui a volé. Someone who has stolen. Ou qui est un voleur. Or who is a thief. Qu'est-ce que Dieu veut? What does God oh, want? Oh Père. Oh Father. Je suis un voleur. I am a thief. J'ai volé telle chose, j'ai volé telle chose, j'ai volé. I have stolen such a thing and I've stolen such a thing. Je te demande pardon. I ask you to forgive me.
Ne me punis pas selon mes péchés. Do not punish me according to my sins. Pardonne-moi. Forgive me. Je te promets. I promise you. Que j'arrête cette vie-là. That I stop this life. C'est fini. It's finished. Je ne veux plus recommencer. I will no more. Oh Père. Do it again. Oh Father. Je ne veux plus recommencer. I want to take it again. Quand tu pries comme ça. When you pray like that. C'est comme si tu dis à Dieu, descends. It's as if you tell God, come down on earth. Dieu cherche des gens. God is seeking people. Qui lui disent. Who tell him. Que nous arrêtons. C'est ça qu'on appelle la repentance. That we stop. That's what we call repentance. Beaucoup s'arrêtent à la confession. Many stop at the level of confession. Quand tu ne décides pas d'arrêter, when you don't decide to stop, ça veut dire que tu ne te repens pas du tout. It means that you are not repenting at all. La décision d'arrêter, the decision to stop, amène Dieu à mettre le cachet sur ton dossier. Brings God to put the stamp on your file. Pour montrer que tu es devenu juste. To show that you have become righteous, que ton cœur est devenu bon, that your heart has become good, tu fais des restitutions. You carry out restitutions. Tu remets aux gens les choses que tu leur as volées. You give back to people the things that you have stolen from them. Tu demandes pardon aux gens que tu as offensés avec l'orgueil. The people that you have offended by pride, you ask them to forgive you. Si tu fais ça, if you do this, c'est fini. Finished. Dieu dit, God says, après avoir balbutié, ils reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Il y a des gens, Seigneur, pardonne-moi, j'ai commis l'adultère. Après, prends l'autre. Allô. Oui, chérie. There are some people. Non, j'arrive. Who commit adultery after they finish. Oui, oh Dieu, je suis mauvais. Oh Lord, je suis mauvais. I'm bad. Oh, je suis mauvais. I'm bad. Après, and after, il commence à il va chez la femme qui a appelé. He goes back to. Il reprend leur course comme un cheval. They race. Qui se lance au combat. As Dieu dit, Dieu dit, je ne te pardonne pas. God says, I will not forgive you. Tu es mauvais. You are bad. Il ne parle non seulement qu'il ne parle pas comme il devrait. They not only speak as they want. Mais they ils reprennent les mêmes péchés. But they go comme un cheval and nourri, fall back in bien. The same sins. Comme un cheval bien nourri. As a horse that is well fed. Mais Dieu t'appelle. But God is calling you. Dis amen, Dieu t'appelle. Say amen. God is calling you. Dieu t'appelle. God is calling you. Le Seigneur trouvera-t-il parmi vous? Will the Lord find in your midst quelqu'un qui décide radicalement? Someone who decides radically d'obéir à sa parole. To obey his word. Même si tu es le seul. Even if you are the only one. Dieu sera glorifié. God will be glorified. Mais si c'est vous tous. But if it is all of you. Il sera davantage glorifié. Il mérite même ça. He will be more glorified and he deserves it. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui veut dire oui à Jésus sous ce terme? Is there someone in your midst who would like to say yes to Jesus on those words? S'il vous plaît, please. Sortez des bas, venez ici. Get out and come here. Venez vous tenir là. Come here. Vous voyez la joie. Je vous ai dit qu'il y a la joie. See the joy. I told you that it's God. Venez. Come. Vous venez avec vos effets parce que you juste come, après ça on commence la prière. You come with your belongings because after this we are going to pray. To venez. Come. Je suis attentif et j'écoute. I am attentive, listening. Je suis attentif et j'écoute. I am attentive, listening. Dieu dit. God says. Il tend l'oreille. That is, he
gives hearing. Dieu tend l'oreille. That he stretches his ears. Pour écouter les paroles. To listen to the words. Pour écouter tes paroles. To listen to you, your words. Dieu tend l'oreille. God stretches his ears. Oh, rakabaga, oh, rakabaga. Venez, venez, venez. Come, come, come. Prends ton sac, tu viens. Take your bag, you come. Dieu dit, God says, je suis attentif. I am attentive. J'écoute vos I'm prières. Listening your prayers. Votre repentance est mauvaise. Your repentance is bad. Vous n'avez pas dit you didn't say que vous arrêtez. That you stop. Vous demandez pardon. You ask God to forgive. Sans arrêter. Without stopping. Dieu pardonne. God forgives. Quand on abandonne. When you abandon. Dieu pardonne. God forgives. Quand on abandonne. When you abandon. Dieu pardonne. God forgives. Quand on abandonne. When you abandon. Dieu pardonne. God forgives. Quand on abandonne. When you abandon. Dieu pardonne. God forgives. Quand on abandonne. When you abandon. Oh, Dieu pardonne. Oh, God forgives. Dieu pardonne. God forgives. Quand on décide. When you decide. D'abandonner. To abandon. Dieu pardonne. God forgives. Quand on décide. When you decide. D'abandonner. To abandon. Celui qui cache ses transgressions. The one that hides. Ne prospère point. He does not prosper. Il ne prospère point. He does not prosper. Mais celui qui les avoue. And the one that et qui les délaisse. And abandons them. Obtient miséricorde. Obtains oh, tiens miséricorde. Obtains mercy. Celui qui les confesse the one that confesses et qui les abandonne, obtient miséricorde. Obtains mercy. Si tu dis, if you say, je ne veux pas abandonner, I don't want to abandon. Je reste assis. I remain sitting. Tu as choisi la mort. You have chosen death. Tu as choisi la mort. You have chosen death. Au jour du jugement. On the day of judgment. Au jour du jugement. On the judgment le Seigneur te jettera dans les flammes. The Lord will cast you in the flames. Parce que tu as refusé. Because you refused. Tu as refusé. You refused. Les temps de grâce. To the tu as refusé les temps de grâce. The terms of mercy. Tu as refusé les temps de miséricorde. You refused the terms of mercy. Tu avais la possibilité. You had the possibility. Tu avais la possibilité. You had the possibility. D'arrêter de changer. To stop and change. Mais tu as dit non. But he said no. Tu as dit non. He said no. Pourquoi? Why? Parce que tu veux rester dans la tromperie. Because you want to remain in deceit. Tu veux rester dans la tromperie. You remain in deceit. Tu aimes le mensonge. You love lies. Tu aimes le mensonge. You love lies. Tu aimes le mensonge. You love lies. Tu aimes la fausseté. False. Lève-toi et viens. Rise up and come. 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 Viens glorifier Jésus. Come and glorify. Viens Jesus. Glorifier Jésus. Come and glorify. Viens donner Jesus. Ta vie à Jésus. Come and give your life to celui Jesus. Qui cache ses péchés. The one that hides his sins. Ne peut pas être pardonné. Cannot be forgiven. Celui qui cache ses péchés. He who hides his sins. Ne peut pas être pardonné. Cannot be forgiven. Celui qui résiste à Dieu. He who had withstands God. Celui qui résiste à Dieu. He who withstands God ne sera pas pardonné. Will not be forgiven. Ne sera pas pardonné. Will not be forgiven. Ne sera pas pardonné. Will not be forgiven. Celui qui résiste à Dieu. The one that withstands God. Celui qui résiste à Dieu. The one that withstands God ne sera pas pardonné. Will not be forgiven. Ne sera pas pardonné. Will not be forgiven. Lève-toi et viens. Stand up and come. 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 Lève-toi et viens, lève-toi et viens. Stand up and come, stand up and n'aie come. Pas peur. Do not fear. Ne te dis pas, je vais déranger les gens si je me lève. Do not say, I will disturb people if I rise même up. Si tu es au milieu d'une foule. Even if you are in the midst of a sors de la foule. Get out of viens the crowd. Viens te donner à Jésus. And come and give your life to c'est Jesus. C'est un jour. If a day, un a jour day, de bénédiction. A day of blessing. Je vous ai dit. I told you. Que quand Jésus te bénit. That when Jesus blesses ça te rend prospère. It makes you prosper. Il est dit, it is said, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. It is the blessing of the Lord that enriches. Et la bénédiction de l'Éternel and the blessing of the Lord vient après la vraie repentance. Comes after true repentance. C'est pour cette raison qu'il a dit dans Joël. That's why he said in Joel. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. He said that we replace the years that the grasshoppers have devoured. Certains d'entre vous ont déjà perdu. Some of you have already lost. Les sorciers ont bloqué les études. The witches and wizards have blocked their studies. Et ils ont vieilli dedans. And they have grown old. Mais Dieu va trouver une équation. But God will find an equation. Dieu va trouver une formule. God will find a formula. Pour remplacer les années dévorées par les démons. To replace the years that have been devoured by the grasshoppers. Dieu, si c'est une question de maladie, Dieu va te guérir. If it's a question of sickness, God will heal tout you. Tout ce qu'il veut. All that he wants c'est la repentance. Is repentance. La repentance. Repentance.
Quand il faisait la promesse, when he was making the promise, tu n'étais même pas encore né. You were not even born. Il a dit, he said, si quelqu'un se repent, if someone repents, il va remplacer les années que la maladie a rongé. The years that the sickness have eaten up. Certains d'entre vous ont été envoûtés. Some of you have been bewitched. Ils n'ont pas pu se marier. They have not been, they were not able to get married. Le Seigneur, but the Lord, va trouver une formule. He's going to find a formula. Il sait que quand tu reviens, tu es vide. He knows that when you come back, you are empty. Certains reviennent avec beaucoup de démons. Some come back with many demons. Beaucoup de maladies. Many sickness. Mais le Seigneur va agir. And the Lord is going to act. Il va agir. He will act. C'est pour ça qu'il est venu sur la terre. That's why he came down on earth. Il a dit, venez à moi. He said, come to me. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. All you who labor. Je vous donnerai le repos. I will give you rest. Jésus va vous donner le repos. Jesus is going to give you rest. Vous allez rendre témoignage comme les frères rendaient là. You will testify here as the brethren did it. Les esprits de mort. The spirit of death. Qui voulaient te précipiter dans la tombe. Which wanted to cast you down in the tomb. Dieu va te montrer les défaites. God will show you the defeat. Il permettra même que tu vois ça en vision. He will allow you to see them in vision. Pour que tu sois encouragé. So that you'll be encouraged. Il est vivant. He is alive. Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Y a-t-il encore quelqu'un? Is there someone else? Y a-t-il encore quelqu'un? Is there someone else? Y a-t-il encore quelqu'un? Are there still some people? Qu'il vienne. Let him come. Qu'il vienne. Let him come. Je vais commencer la prière. I'm going to start a prayer. Je vais commencer la prière. I'm going to start prayer. Si tu rates la prière. If you fail the prayer. La prière de réconciliation avec Dieu. The prayer of reconciliation with God. Tu es en train de dire à Dieu. You are telling God. Je n'ai pas besoin de toi. I don't need you. Mon ami. My friend. Penses-tu vraiment? Do you really think? Que tu n'as pas besoin de Dieu. That you don't need God. Penses-tu vraiment? Do you really think? Que tu n'as pas besoin de Jésus. That you don't need Jesus. Penses-tu vraiment? Do you really think? Que tu n'as pas besoin de Jésus. That you don't need Jesus. Nous allons commencer la prière. We are going to start prayer. Penses-tu vraiment que tu n'as pas besoin de Jésus? Do you really think that you don't need Jesus? Quand tu vas rentrer chez toi aujourd'hui sans Jésus dans ta vie? When you go back today home without Jesus in your life. Tu vas dire que qu'est-ce qui a motivé ton choix? What will you say that was the motivation of your choice? Peut-être tu vis dans un péché. Maybe you are living in a sin. Tu te poses la question. You ask yourself the question. Est-ce qu'il faut vraiment que je laisse ce péché maintenant? Should I really leave that sin now? Jésus te dit. Jesus tells you. Oui. Yes. Il a dit. He said. Si ta main. If your hand. Est pour toi une occasion de chute. If your hand is causes you to sin. Coupe-la. Cut it. Jésus ne voit pas ce qui peut t'empêcher de te réconcilier avec lui. Jesus does not see the thing that will prevent you from reconciling si with c'est me. Ton pied, if it is your foot, coupe le pied, cut it, entre au ciel, and get into hell, heaven. Le Seigneur est en train de parler à qui? Who is the Lord speaking to? Cette parole-là s'adresse à quelqu'un. This word is addressed to someone. Ce que je viens de dire s'adresse à quelqu'un. What I've just said is addressed to someone. Il s'agit de qui? Who is it c'est about? Toi, lève-toi, tu viens. If you are the one, rise tu up. Tu le sais come. Parce que ton cœur te dit c'est toi. You know because your heart tells you it is you. Nous allons continuer. We are going to continue. Ora bakashar gabra. Cette parole s'adresse à qui? Who is this word addressed to? Levez vos mains. Raise your hands. Vous allez prier après moi. You are going to pray after vous, me. Vous priez fort comme je veux prier. You pray loudly as I'm going to pray. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Tu es le chemin, la vérité et la vie. You are the way, the truth and the life. Tu veux que je sois vrai. You want me to be true.
Tu veux que je reconnaisse mes péchés. You want me to recognize my sins. Et tu veux que je les confesse. And you want me to confess them. Et tu veux que je les abandonne. And you want me to abandon them. Et tu veux que je fasse des restitutions. And you want me to carry out restitutions. Seigneur Jésus. Lord Jesus. J'accepte. I accept. Je dis oui, je dis oui, je dis oui. Yes. I say yes, I say yes. Je n'ai rien gagné dans le péché. I won nothing in sin. Je reviens avec un cœur blessé. I'm coming back with a wounded heart. Un corps chargé de maladies. And a body full of sickness. J'ai besoin de toi. I need you. Je veux que tu m'aides. I want you to help me. Oh Seigneur Jésus. Oh Lord Jesus. Tu veux que j'entre au ciel. You want me to enter heaven. Tu veux que je me réconcilie avec notre Père qui est au ciel. You want me to reconcile with our Father who is in heaven. J'accepte, Seigneur. I accept, Lord. Et je te demande pardon. And I ask you to forgive me. Je ne le mérite pas. I don't deserve it. Pardonne-moi. Forgive me. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Forgive me. Pardonne-moi. Forgive me. Aie pitié de moi. Have mercy on me. Tu as dit dans ta parole. You said in your word. Que celui qui cache ses péchés. That the one who hides his sins. Ne prospère point. Does not prosper. Mais celui qui les avoue. But the one who. Et qui les abandonne. Them and abandon them. Obtient la miséricorde. Obtain mercy. Je reconnais. I recognize. Je confesse. And confess. Et je décide d'abandonner. And I decide to abandon. Merci pour ta miséricorde. Thank you for your mercy. Merci pour ta miséricorde. Thank you for your mercy. Dis Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. J'accepte. I accept. Qu'on me sépare. To be separated. De la malédiction. From the curse. Qui règne dans la famille de mes parents. That reigns in the family of my parents. J'accepte. I accept. Qu'on me sépare. To be separated. De la malédiction. From curse. Qui règne dans la famille de mon père. The curse that reigns in the family of my et father. Qui règne dans la famille de ma mère. Or reigns in the family of qui my mother. Qui règne dans la belle famille. Or reigns in j'accepte, my Seigneur. Family law. I accept. Qu'on me sépare de l'idolâtrie. I separate from myself from my idolatry. L'idolâtrie de mes parents. The idolatry of my parents. J'accepte. I accept. Qu'on me sépare. To be separated. De la sorcellerie. From the witchcraft. Moi, je veux servir Jésus. I want to serve. Seigneur, c'est toi que je veux servir. Lord, you are the one I want to serve. Maintenant, now, l'église va prier pour vous. The church is going to pray for you. Nous allons vous séparer de toutes les malédictions. We are going to separate you from all the curses. De tous les engagements dans l'idolâtrie. And all the commitments in idolatry. Parce que vous êtes en train de vous donner à Jésus. Because you are giving yourself to Jesus. Les démons ne doivent plus vous suivre. Demons must no more follow you. Les esprits de mort. The spirit of death. La malédiction des hommes. The curses of men. On dit telle personne devait mourir, a maudit la famille. Ça, ça ne te concerne plus. And they say such person was to die and he cursed the family. This does not concern you anymore. Prions pour relever les mains. Let us pray for nous them. Vous séparons de toute malédiction. We separate you from all curses. Nous vous séparons de toute malédiction. We separate you from all curses. Nous séparons chacun de la malédiction. We separate each one from curse. Qui vient de la famille de son père. That stems from the family of his ou father. Ou de la famille de sa mère. Or the family of his mother. Ou de la belle famille. Or from the ou même family des amis du quartier. Or from the friends qui vient of des the hommes quartier. Jaloux, des hommes jaloux. Or from the nous vous séparons de l'idolâtrie. We separate you from the idolatry. De tous les engagements. And all the commitments. Prie par les sorciers auprès des féticheurs. Taken by the witchcraft. Nous proclamons we proclaim que ces engagements ne vous concernent plus. That those commitments that vous do êtes not des enfants de Dieu, des you enfants are de Dieu. Of God. You are children of God. Vous êtes des enfants de Dieu. You are children of God. Héritiers de la vie éternelle. Heirs of eternal life. Bénis. Blessed. Lavés. Washed. Purifiés. Purified. Par le sang de Jésus. By the blood of Jesus. Amen. Amen. Non, non, il manque deux sujets. There are two topics missing. J'ai sauté deux sujets. I levez les mains. Jumped two topics. Père, raise your hand. Father, que tous ceux qui sont malades, let all those who are sick, soient guéris. Be healed. Quelle que soit la maladie, whatever the sickness, même si on a dit, even if it is que dans quelques heures ils vont mourir, that they will die in some hours, nous proclamons qu'ils vont vivre. We proclaim that they will live. Pour la gloire de Dieu. For the glory of God. Que tous ceux qui sont poursuivis, let all those who are pursued, par les démons, by demons, soient délivrés de tous ces liens. Ils entrent dans leur héritage. Let them get into the heritage. Amen. Amen. Voilà, là, tout est complet. It is complete now.
Asseyez-vous, on va commencer la prière. Sit down, we are going to start prayer. Non, il y a les chaises derrière vous. There are chairs. Ici, ici. You. Here. Asseyez-vous rapidement. Sit down quickly. Tous, non, il y a les places derrière. There are chairs behind you. Vous avez déjà changé de camp. Vous avez déjà already changed side. Alléluia. Praise the Lord. Soyez concentrés parce qu'on va commencer la prière. Be concentrated because you are going to start a prayer. Vous êtes déjà des enfants de Dieu. You are already children of God. Tout ce que nous allons demander ce soir. All that we are going to ask this evening. Demandez aussi. You also ask. Mais si quelqu'un a refusé de venir donner la vie à Jésus. But if someone refused to come and give the life to Jesus. Quand nous allons nous lever pour prier, faut rester assis. When we rise up to pray, remain sitting. Tu risques de tomber dans beaucoup de mensonges. You may fall in many lies. Mais si tu veux changer de camp, tu le fais avant qu'on ne commence la prière. But if you want to change side, you do it before we start prayer. Il y a des gens qui veulent, qui cherchent la prière, mais ils ne savent pas que c'est Jésus qui exauce les prières. There are some people who seek prayer, but they don't know that it is Jesus who grants prayers. Une femme m'avait dit. A woman told me. Si Jésus pouvait accepter qu'elle lui donne de l'eau à boire. If Jesus could have accepted that she gives him water to drink. Elle lui donne le bois de chauffage. She gives him firewood. Et il prépare la nourriture et lui donne. And cook food for him. Elle dit, elle allait servir Jésus. She said she would have served Jesus. Non, avant, elle a dit, quand elle a donné ces choses à Jésus, elle s'en va se promener. And said that after giving this thing to Jesus, she would go and wander. Pourquoi donner la nourriture à Jésus et toi-même, tu vas te promener? Why should you give food to Jesus and go to wander? Ça veut dire que pour elle, Jésus n'est pas un Dieu, il n'est pas Seigneur. It means that for her, Jesus is not Lord. Accélérez parce qu'on doit commencer. Go on quickly because we have to start prayer. Frère bien-aimé. Beloved brethren. Je vous ai rendu témoignage. I gave a testimony. Par la grâce de Dieu. By the grace of God. Nous avons été encadrés par des gens qui croyaient au Saint-Esprit. We have been taken care of by people who believed in the Holy Spirit. Le frère Zach avait une clinique spirituelle. Had a spiritual clinic. C'est-à-dire quand tu donnes la vie à Jésus. That is when you give your life to Jesus. Ou quand tu es même un croyant. Or even when you are a believer. Il peut te recevoir. He can receive you. Et tu lui poses ton problème. And you let him know your problem. Et il discerne. And he discerns. Et il prie pour toi. And pray for you. Soit pour la délivrance. Maybe for deliverance. Soit pour la guérison. Or healing. Mon père en Christ. My father in Christ. Le frère Jofan Joseph. Brother Jofan Joseph. Très fort dans la délivrance. Very strong in deliverance. C'est par lui que j'ai su que les malades là, que les maladies sont entretenues par les démons. It is through him that I realized that sicknesses are kept by demons. Et il organisait régulièrement les délivrances. And he used to organize deliverances. Le frère Jean de Dieu, Washi. Brother Jean de Dieu, Washi. Il aime les combats spirituels. He loves spiritual warfare. Il prenait des engagements
pour délivrer les gens. Dès qu'il prend, il nous dit seulement que il y a le combat qui commence demain. He used to take commitment to deliver people, and as soon as he takes a commitment, he just tells us the warfare is starting tomorrow. Et ça nous a rodé dans beaucoup de délivrances. And this allowed us to know many things in deliverances. Donc nous avons chassé les démons. So we cast out demons. Nous avons prié pour le désenfoutement. We prayed for spells to be removed on souls. Mais j'avais remarqué que. But I noticed that. Certaines personnes étaient toujours bloquées, même après avoir fait la vraie repentance, après qu'on ait chassé les démons, brisé les liens malsains. But I realized that some people were still blocked even after carrying out true repentance and after receiving the ministry of breaking of evil ties. Après ça, le Seigneur m'a donné deux révélations. After that, the Lord gave me two revelations. Un jour, il m'a dit. One day, he told me. Tant que vous n'avez pas enseigné. As long as you have not taught. Que les démons les plus puissants. That the mightiest demon ne sont chassés que par le jeûne et la prière. Are only cast away through fasting and prayer. Tout votre enseignement sur la délivrance sera toujours incomplet. Teaching on deliverance will not be total. Donc Dieu me parle. So God spoke to me. C'est ça qui nous a conduit à faire des longs jeûnes. This is pour what prier et renverser les principautés. This is the thing that led us to carry out long fastings and pray for overthrowing of principalities. Après, il After, m'a dit, he taught me, il y a la malédiction qui vient de Dieu lui-même. There is the curse that stems from God himself. Que beaucoup de personnes vous avez déjà réussi à chasser les démons en exerçant l'autorité au nom de Jésus. You have already succeeded in casting out many demons by exercising authority in the name of Jesus. Mais les gens, les malédictions que moi-même j'ai prononcées sur les familles ne peuvent être enlevées que s'il y a des intercesseurs. But the curses that I pronounce on families cannot be removed if there are not intercessors. Il dit, he said, je cherche parmi eux. I'm seeking in their midst quelqu'un qui intercède. Someone who intercedes. Pas que c'est moi qui dois venir dans ta famille intercéder pour ta famille. Il faut que quelqu'un sorte de ta famille. Not that I'm the one who should intercede. Not that I'm the one who should come into your family to intercede for your family, but someone must come out from your family to intercede for your family. Si Dieu maudit la Côte d'Ivoire, maudit le Ghana, maudit le Nigeria, maudit le Bénin, le Togo. If God curses Côte d'Ivoire, Ghana, Benin and Togo, pour que chaque nation soit délivrée, for each nation to be delivered, il faut que les croyants de cette nation-là, the believers from that nation, intercèdent, should intercede pour leur nation, respectivement, for the nation. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? J'ai ma famille, tu as ta famille. I have my family, you have your family. Dieu veut un intercesseur qui sort de ta famille. Je cherche parmi, c'est simple, hein? Ce n'est pas une grande doctrine. God wants an intercessor who comes from your family. It is very simple, it's not a long doctrine. Je cherche parmi eux. I'm seeking from among them. Si c'est une ville, if it is a city, il faut qu'il y ait quelqu'un de cette ville-là. There must be someone from that city qui porte le fardeau devant Dieu. Who bear the burden before God. Et c'est pour cette raison que nous sommes dans le jeûne. That's why we are in the fasting. Pour renverser les principautés de nos familles. To overthrow the principalities of our families. Et le Seigneur nous révélait que. And the Lord revealed to me that. C'est lui-même qui renverse. He himself is the one who overthrew those principalities. Parce qu'il les a fait venir à cause des péchés que nous avions commis. Because he let them come in our families because of the sins that we committed. Si nous nous repentons, if we repent,
Et si nous supplions Dieu, and beg God, à travers nos intercessions, through our intercessions, Dieu va ordonner, God will command, la chute, the downfall, de tous les esprits qui essayent de dominer sur nous, of all the spirits which try to rule over us. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Donc, ce soir, so this evening, nous allons intercéder. We are going to intercede. Quand Dieu maudit, personne ne peut te délivrer. When God curses, no one can deliver you. Quand vous entendez, on adore les Komia, les poros, les vaudous, les ma, ça, c'est ça qui a amené Dieu à maudire. When you hear that we worship Komians, the poros, the masks, this is the thing that brought God to curse. Tu vois les gens au lieu d'adorer Dieu, ils sont là. You see people instead of worshiping God, they are there, they are like this. Ils dansent. They dance. Le vrai Dieu est là. The true God is there. Les danses, c'est dans la poussière. And their dance is in the dust. Dieu maudit. God curses. Et on vit tout ce qu'on vit là. And we are going through all the, those things. Pauvreté. Poverty. Tu t'en vas à l'hôpital. L'hôpital va te donner quoi? You il go, va bouffer ton, il va sucer ton sang, prendre les richesses. You go, Python. What is the Python going to give you? He will take all your riches. Jésus a dit que le voleur vient pour dérober. Jesus said that the thief only comes to steal. Regardons nous-mêmes où sont les voitures que les génies ont données. Look you yourself. Where are the cars that the ghosts have stolen? C'est les maladies. It is only sickness. Marie de nuit, cibron, spiritual husband, fibroid, bewitchment, barrenness, les esprits de mort, spirit of death. C'est tout. It's all. La parole de Dieu dit, the word of God says, les idoles ont dévoré les richesses de nos pères. Idols have eaten up the riches of our parents. Ils ont dévoré leurs fils. Ils ont dévoré leurs filles. They have devoured their sons and their daughters. Qui n'a jamais entendu que les sorciers ont bouffé l'enfant de quelqu'un? Who have never heard that the witches have eaten the son, the child of someone? On a tué quelqu'un dans la sorcellerie. Or someone has been killed in witchcraft. Ces choses-là. Those things ont attiré la malédiction de Dieu sur nous. Have drawn the curse of God on us. Si nous n'intercédons pas, if you do not intercede, Dieu va laisser. God will leave it like this. Si tu intercèdes, but if you intercede, il va pardonner. He will forgive. Et il va permettre que l'évangile soit prêché chez toi. And he will allow that the gospel be preached in your home. Et il y aura des grandes conversions. And there will be great conversions. Le village va sortir des ténèbres. The village will come out of darkness. Tu verras toi-même. Si Dieu ne va pas faire ça après ta mort. You will see it yourself. God will not do it after your death. You will see it. Certains même vont expérimenter la délivrance. Les génies vont vous dire, on s'en va. Nous, on vit ça tous les jours. Some, et les démons disent, on s'en va. Some will even experience deliverance. The ghost will tell you, we are going. Lève ta main, tu dis, je crois. Raise your hand, you say, I believe. Que Jésus Christ, that Jesus Christ, nous a donné le pouvoir, have given us the power, pour combattre en son nom, to fight in his name. Dis, je crois. Say, I believe. Que Jésus a versé son sang, that Jesus shed his blood, pour faire de nous, to make of us, des sacrificateurs, priests. Nous pouvons intercéder. We can intercede. Pour intercéder, in order to intercede, tu n'accuses plus tes parents. You no more accuse your parents. Tu t'identifies. You identify yourself. Tu dis à Dieu, you tell God, nous avons péché. We have sinned. Ne fais pas comme si tu es très sage. Do not do as if les sorciers sont mauvais, you are too wise and the sorcerers are bad. They want to kill us. Si tu pries comme ça, if you pray like that, ça sera pauvre. You will be poor. Vous avez vu Jésus à la croix? Did you see Jesus on the cross? Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu?
What did he tell God? Père, Father, pardonne-leur. Forgive them. Ils ne savent pas ce qu'ils font. They don't know what they are doing. Vous voyez un intercesseur comment il prie? You see how an intercessor prays? Ils ne savent pas ce qu'ils font. They don't know what they are doing. Si c'est toi, if you are the one, ils savent. Yeah, they know. C'est, ils savent. They know. Et puis vous êtes, ils sont bloqués, tu es bloqué. And they are blocked, you are blocked. Dis Père, say Father, nous avons péché contre toi. We have sinned against you. Nos ancêtres ont péché. Our ancestors sinned. Nos parents ont péché. Our parents sinned. Nous-mêmes, we ourselves, nous avons péché. We have sinned. Et nous souffrons. And we are suffering. Les conséquences sont là. The consequences are there. La pauvreté. Poverty. Les maladies. Diseases, les haines, hatred, la violence, violence, l'inceste, incest. Nous souffrons. We are suffering. Oh Seigneur. Oh Lord. Si tu pardonnes, if you forgive, nous aurons la paix. We'll have peace. Dis Père. Say Father. Nous voici. Here we are. D'un commun accord. In one accord. Délivre-nous. Deliver us. Délivre-nous. Deliver us. Dis, oh Père. Say, oh Father. Regarde les fous. Look the madmen. Regarde ceux qui sont atteints de dépression. Look those who are depressive. Regarde ceux qui sont envoûtés. Look at those who are bewitched. Regarde ceux qui sont sous l'emprise des maris de nuit. Look at those who are under the grip of spiritual husbands. Les femmes de nuit. Spiritual wives. Nous portons les conséquences. We bear the consequences. Des péchés que nous avons commis. Of the sins that we have committed. Les idoles que nous sommes allés chercher. The idols that we went to seek. Ont dévoré tout ce que tu nous as donné. Have eaten up all that you gave us. Celui qui a les diplômes. The one that have certificates. N'est pas différent de celui qui n'a jamais été à l'école. If not different from the one who has never been to school. Celui qui est marié. The one that is married. N'est pas différent de celui qui est resté célibataire. Is not different from the one that remained single. Nous souffrons. We suffer. Nous gémissons. We are groaning. Nous gémissons. We are groaning. Dis Père. Say Father. La croisade finit demain. The crusade. He's finishing tomorrow. Nous t'invoquons ce soir. We call upon you this evening. Pour que tu prennes des décisions. For you to take decisions. Pour briser toute résistance. To break any resistance. Nous te supplions. We plead with you. S'il y a quelqu'un, if there is someone qui est un blocage, who is a blockage, parce qu'il n'a pas abandonné ses péchés, because he has not abandoned his sin, donne-lui l'intelligence maintenant. Give him the understanding now. Qu'il se repente. Let him repent. Et que ce blocage disparaisse. So that those blockages disappear. S'il y a quelqu'un qui doit confesser un péché et l'abandonner, fais-le maintenant. If there is là someone où tu es assis là, who should confess a sin and abandon it, do it now where you are sitting. Vous allez voir la gloire de Dieu va descendre. You see the glory of God will descend. Tu te concentres, tu dis Seigneur, j'ai compris, tu me parles. Parce que Dieu va aller même si c'est au fond de la mer. Même si on t'a enterré dans une double tombe, il va te sortir de là. Si tu sais que tu veux garder un péché, Dieu te parle. If you know that you want to keep a sin, God is speaking to you. Dis, oh Père. Say, oh Father. Tu sais tout, tu sais tout, tu sais you tout. You know all.
qu'aucun esprit impur, let no unclean spirit, ne soit en paix. Be at peace. Qu'aucun esprit de mort, let no spirit of death, ne soit en paix. Be peaceful. Qu'aucun esprit humain d'un être humain vivant, let no human spirit of a living being, ne a living paix, ne soit en paix, ne soit en paix. Human being, be peaceful. Oh Père, oh Father, tu l'as dit. You said it. Il n'y a pas de paix pour le méchant. There's no peace for the wicked one. Il n'y a pas de paix pour le méchant. No peace for the wicked one. Père, nous sommes revenus à toi. Father, we have come back to you. Restaure-nous comme tu l'as promis. Restore us as you promised. À travers le prophète Joël. Through prophet Joel. Que tu vas restaurer les années qu'ont dévoré les sauterelles. That you will restore the years that the locust devoured. Il n'y a que toi qui peux faire cela. Say, it's only you who can do it. Let us pray. Let you one pray. Dis, oh Père, say, oh Father, tes jugements sont vrais. Your judgment is true. Ta sagesse est grande. Your wisdom is great. Tu as dit qu'il n'y a que la vanité sur la terre. You said that there's only vanity on earth. Tu as dit la vérité. You said the truth. Mais notre folie nous a fait penser le contraire. But our madness led us to believe the contrary. Pardon. Forgive us. Forgive us. Pardon. Forgive us. Mais agis, Seigneur. Father, act. Agis pour sauver. Act to save. Agis pour délivrer. Act to deliver. Agis pour restaurer. Act to restore. Agis pour restaurer. Act to restore. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Lord. Agis, Lord. Agis, Lord. Act, Lord. Oh, Père. Act, Lord. Oh, Father. Agis, agis, agis. Act. Continue à prier. Keep praying. Duro bakasara bakasoro bakasara bakasoro baka. Duro bakasoro bakasoro baka. Duro bakasoro 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 baka. Duro bakasoro bakasoro baka hala baka. Duro bakasere baka hura baka. Eli kala baka la ba duro bakasa baka. Endere malta ramasinda bana. Duri dalbasi miran. Dis, oh Père, oh Father, ouvre les oreilles, open the ears de ce que tu as maudit, of those you cursed, par l'endurcissement du cœur, by the hardening of hearts. Père, Father, nous avons fermé nos cœurs, we have locked our hearts. Et tu nous as livré à nos désirs. And you have given us over to our desires. Oh Père. Oh Father. Ordonne que les écailles tombent. That the scales que les oreilles soient débouchées. That the ears be blocked. Que l'évangile, that the gospel pénètre dans nos familles. Enter our families. Et que les âmes entendent. And that the souls hear. Et qu'elles comprennent. And that they understand. Qu'elles se convertissent. And get converted. Et que tu les guérisses. And that you heal them. Et que tu les guérisses. And that you heal them.
Et prie ce sujet, prie au sujet. Il y a des gens, écoutez. Vous savez, you know, il y a des gens, there are people que Dieu a déjà maudits, that God has already cursed, en bouchant leurs oreilles, by closing their ears. Ils voulaient commettre les péchés. They wanted to commit sins. Dieu dit arrêtez. Il dit non, ils veulent commettre. God says stop, but they want to commit sin. Dieu dit arrêtez. Il dit ils veulent commettre le péché. God says stop, and they say they want to commit sin. Qu'est-ce que Dieu fait? What does God do? Il dit allez commettre. He said okay, then go and sin. On appelle ça il a livré. They said this. We say that he has delivered them. De telle sorte que quand on lit la Bible même, tu ne comprends rien. So that when you read, you even read the Bible, you understand nothing. C'est la plus grande malédiction. This is the greatest curse. Parce que qu'est-ce que la Bible dit? What does the Bible say? La foi vient de ce qu'on entend. Faith comes from what you hear. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. And what you hear comes from the word of God. Donc, quand Dieu te bouche les oreilles pour que tu n'entendes plus sa parole, c'est fini. When God closes your ears for you not to hear it, to understand his word is finished. Et concernant la guérison et la délivrance. And as far as healing and deliverance are concerned, quand Dieu veut délivrer quelqu'un. When God wants to deliver someone. Quand Dieu veut guérir quelqu'un. When God wants to heal someone. La première chose. The first thing. Il parle. He speaks. Il envoie sa parole. He sends his word. Si bien que s'il a déjà pris la décision que sa parole ne t'atteindra point. So that que tu es mort, c'est fini. If he has taken the decision that his word will not reach you, it means it's finished. Il est écrit. It's written. Il envoya sa parole et les guérit. His word and healed them. Quand nous crions là. When we cry out. Quand il veut déjà agir. When he wants to act. Il parle. He speaks. Mais si quand il n'est pas content. But when he is not happy. Il bouche vos oreilles. He closes your ears. Là, il vous a exclu de la bénédiction. At this level, he has excluded you from blessing. Donc, quand on intercède, qu'est-ce qu'on fait? But when we intercede, what do we do? Dis à Dieu. Tell God. Oh Père. Oh Lord. Que tous ceux qui ont été livrés. Let all those who have been delivered, given over. Soient pardonnés. Be forgiven. Enlève les bouchons dans les oreilles. Remove the enclosures. Enlève les écailles. Remove the scales. On lui demande ça comme une faveur. We ask this to him as a favor. Parce que nous sommes allés très loin dans l'idolâtrie. We went too far in idolatry. On n'avait même pas besoin de Dieu. We did not even need God. Nous sommes en train de prier ici là. We are praying here. Va un peu au village, tu vas voir ce qu'ils font là-bas. Go to the village, you see what they do. Au quartier. Ou bien au quartier. Or in the quarter. Tu pries pour ta famille. You pray for your family. Mais certains sont en train de boire. But some are drinking kutuku there now. Il y en a qui pratiquent la sorcellerie. Some are practicing witchcraft. Certains sont même en train de manger la chair humaine. Pendant que tu pries là. While you are praying now, some are even eating human flesh. Donc il faut dire à Dieu pardon, tout ça, délivre-nous. So you just tell God, forgive all this, deliver us. Dis à Dieu. Tell God. Envoie ta parole. Send your word. Que les cœurs soient touchés. May the hearts be moved. Permet que les cœurs soient touchés. Allow the hearts to be moved. Intercède. Intercede. Tu ne seras pas déçu. You will not be deceived. Tu verras le résultat. Deceived. You will see the result. Tenons-nous debout. Let us stand on our feet. Tu lèves tes deux mains. Tu parles à Dieu. You raise your two hands and you speak to God. Ici. Here, ignore même le diable, fais comme si Satan n'existait pas. Ignore the devil, do as if Satan does not exist. Parle à ton père. Speak to your father. Ce sont ses décisions qui changent le monde. It is his decisions that change the world. S'il pardonne maintenant. If he forgives now. S'il ordonne à ses anges. If he commands, he ordains his angels. De visiter nos familles. To go and visit our families. Tu auras les nouvelles. You will see, you will get the news. Certains auront même des nouvelles en rentrant. Some will even get news while going vous back aurez home. Des coups de fil. They will be given ça va vous phone étonner. Calls. You'll be astonished. Pas après deux jours, le même jour aujourd'hui. Not after 2 days, the same day, today. Prions ensemble. Let us pray together.
Dieu Père, say, oh Father, exauce-nous, grant us, en tant qu'un peuple élu, as an elected people, exauce-nous, grant us, en tant que peuple élu, as elected people, exauce-nous, grant us, exauce chacun, answer each one, en tant que membre d'une famille, as a member of a family, exauce-nous, grant us, en tant que peuple saint, as holy people, peuple élu, and bless, exauce chacun, exalt. En tant que membre d'une famille. Grant each one. En tant que membre d'une as famille. A member of the family. En tant que membre d'une as famille. A member of the family. En tant que membre d'une famille. As a member of the prions family. En langue. Let us pray in tongues. Ordonne la guérison. Ordonne my healing. Ordonne la guérison des maladies. Ordonne the healing of sicknesses. Même des maladies les plus chroniques. Even les maladies les plus chroniques. The most chronic. Oh Père. Oh Father. Ordonne la guérison. Ordonne healing. Des maladies. Of sicknesses. Des maladies. Sicknesses. Ordonne. Ordonne. Les délivrances. Deliverances. Les délivrances. Deliverances. Ordonne. Ordonne. Les délivrances des démons. Deliverances from demons. Toute espèce de démon. Any kind of demon. Toute espèce de démon. Any species. Oh Père. Oh Father. Ordonne. 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 Le renversement des principautés. The praying of principalities. Principalities. Qui domine. That rule over. Dans les familles. Our families. Qui domine. That rule over. Les phrases. That qui oppresse. That qui domine. That qui oppresse. That oppresse. Oh Father. Parle, parle. Speak, speak, speak. Parle, parle. Speak, speak, speak. Et les choses changeront. And things. Et les choses changeront. And things will change. Père. Father. Parle. Speak. Tout dépend de toi. All depends on you. Oh. Oh. Juge de la terre. Judge of the earth. Juge de la terre. Judge of the earth. Oh. Juge de la terre. Judge of the earth. Parle, oh Père. Father. Oh, regarde, regarde, prions en langue. Let us pray. Dieu Père, oh Father, délivre de la misère, deliver us from misery, délivre de la pauvreté, deliver from poverty, délivre des liens de sorcellerie, deliver from the ties of witchcraft, délivre de tout envoûtement, from any witchcraft, tout envoûtement, any bewitchment, pray in tongues. Come down. Say, oh Father. C'est toi. It is you qui doit régner sur nous. Who must rule over us? Dis, Seigneur. Say, Lord, c'est toi. You are the one qui doit régner sur nous. Who should reign on us? Qui doit régner sur nous? Who should reign on us? Les autres. The others. Dehors. Outside. Dehors. Out. Dehors. Out. Les idoles. The idols. Dehors. Out. Continue to pray.
Jésus-Christ. Asseyez-vous. Get seated, please. Veuillez vous asseoir. Get seated, please. Est-ce qu'il y a un démon qui se manifeste quelque part? Is there a demon that is manifesting somewhere? Pose les mains sur ta tête. Lay your hands upon your head. Est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? Do you believe that God can heal you? Il est écrit. It is written. C'est par ses blessures. It is by his par stripes. Par ses blessures, nous sommes guéris. By his stripes, we are healed. Donc tu exerces la foi. So you exercise faith. Là où tu es là, personne ne te touche. Where you are, no one touches you. Mais Dieu est là. But God is here. Quelle que soit la maladie. No matter the sickness. Quel que soit le mal. No matter the pain. Crois. Believe. Et reçoit la guérison. And receive healing. De la tête. From the head. Jusqu'à la plante de tes pieds. To the soles of your feet. Que la guérison entre toi. Let healing enters you. Commence à prier. Start praying. Dis, oh Jésus, say, oh Jesus, par tes maîtrisures, by your stripes, je suis guéri. I am healed. Dis, c'est écrit, c'est ta parole. Say, it is written, it is your word. Dis, Seigneur, say, Lord, dans la Bible, in the Bible, il est écrit, it is written, que je suis guéri, that I am healed, par tes maîtrisures, by your stripes. Dis, je crois, je crois, je crois. I believe. Je reçois la guérison. I receive healing. Je reçois la guérison. I receive healing. Dans la tête. From my head. Dans mon cerveau. In my brain. Dans mon nez. In my nose. Dans ma gorge. In my throat. Dans mes poumons. In my lungs. Dans mon cœur. In my heart. Je reçois la guérison. I receive healing. Dans l'estomac. In my stomach. Dans les intestins. In my intestine. Je reçois la guérison. I receive healing. Dans les reins. In my kidneys. Dans les reins. Je reçois la guérison. I receive healing. Je reçois la guérison. I receive healing. Dans mes yeux. In my eyes. Dans mes yeux. In my eyes. Je reçois la guérison. I receive healing. Dans mes oreilles. In my ears. Dans mes oreilles. In my ears. Je reçois la guérison. I receive healing. Je reçois la guérison. I receive healing. Dans mes dents. In my teeth. Je reçois la guérison. I receive healing. 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 Dans mon foie. In my liver. Je reçois la guérison. I receive healing. 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 Dans mes nerfs. In my nerves. Dans mes nerfs. In my nerves. Je reçois la guérison. I receive healing. Je reçois la guérison. I receive healing. Je reçois la guérison. I receive healing. Dans mes articulations. In my articulation. Dans mes articulations. In my joints. Je reçois la guérison. I receive healing. Je reçois la guérison. I receive healings. Dis, je reçois la guérison. Say, I receive healing. Dans tout mon appareil de reproduction. In all my reproductive system. Tout mon appareil de reproduction. In my reproductive system. Je reçois la guérison. Je reçois la guérison. La guérison de Dieu. La guérison de Dieu. The healing of God. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. The healing of God. Dis, je reçois la guérison de Dieu. La guérison de Dieu. The healing of God. La guérison de Dieu. The healing of God. Dans tout mon être. Dans tout mon être. Ma peau. In my... Je reçois la guérison de Dieu. I receive the healing of God. Sur ma peau. On my skin. Je reçois la guérison de Dieu. I receive the healing of God. Je reçois la guérison de Dieu. I receive the healing of God. Je reçois la guérison de Dieu. I receive the healing of God. Je reçois la guérison de Dieu. I receive the healing of God. Je reçois la guérison de Dieu. I receive the healing of God.
Je reçois la guérison de Dieu. I receive the healing of God. Toutes les plaies, all the wounds causées par le diabète, caused by diabetes, guéri. Heal. Si tu as une plaie, if you have a wound causée par le diabète, caused by diabetes, Jésus te guérit. Jesus heals. 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 Ora baka soro baka ko baka joro baka ko bajer baka ko bajer baka ko baka joro baka hara ka baka joro baka ko bajer baka ko baka joro baka hara ka joro baka hara ka baka joro baka ko baka jer baka ora ka baka joro baka Harakapaga Jorubaga, 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 Prions là, le Seigneur a fait de travailler. L'Esprit de Dieu travaille. And the word is que l'Esprit de guérison visite. Let the Spirit of healing visit us. Dieu Esprit de guérison. Say, Spirit of healing. Visite mon être. Visit my body. Dieu Esprit de guérison. Say, hey, Spirit of healing. Et le feu de guérison. Que le feu de guérison consume les maladies. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qu'aucune maladie ne résiste. Qu'aucune maladie ne résiste. No. Maladie. No disease. Le jugement de Dieu contre vous. The kingdom of God is against toute maladie. Any sickness. Disparaissez. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Orbaga jerbaga goba jerbaga goba jerbaga haragabaga jerbaga goba jerbaga orbaga jerbaga goba jerbaga orbaga jerbaga haragabaga jerbaga orbaga jerbaga que la vie de Jésus let the life of Jesus pénètre tous les membres paralysés penetrate all the paralyzed dans les membres let the life enter the members orbaga jerbaga haragabaga jerbaga. Et si tu ne marches pas, if you are not walking, tu reçois la guérison. You receive healing. Tu te lèves, tu marches. You rise up and you walk. Personne ne viendra t'aider. No one will come and help you. L'Esprit de Dieu travaille. The Spirit of God is working. Dès que tu crois, as soon as you believe, tu entres dans ta bénédiction. You enter your blessing. Spirit of healing. Doit disparaître. Must disappear. Oui, continue. Yes, continue. Pray. Voilà qui met sa foi en pratique. Tu peux faire la même chose. Si ne restez pas passif. Dieu est en train de travailler. Don't remain passive. God is working. Dieu est en train de travailler. God is working. Mets la foi en pratique. Put faith into practice. Mets la foi en pratique. Put faith into practice. Le temps de miracle, le temps de guérison. There are healing. Voici le temps de guérison. Now is the time voici of healing. Voici le temps de miracle. Time of miracle. Voici le temps de guérison. Time of healing. Voici le temps de guérison. Time of healing. Voici le temps de guérison. Time of healing. Que tout le monde se lève. Let everybody stand. Tu fais le mouvement que tu ne fais pas faire. You do the movements. Tu crois que Jésus agit. Believe that Jesus agit. Tu crois que Jésus agit. Believe that Jesus agit. Tu crois que Jésus agit. You believe that Jesus agit. Ora baka shara baka kobaka. Prions là tout le monde. Let's pray in tongues, everybody. Ora baka shara baka shara baka shara baka shara baka shara baka. Ora baka shara baka shara baka shara baka. Uragabaga sargabaga 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 uragabaga sargabaga 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 uragabaga sargabaga 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 uragabaga sargabaga sargabaga uragabaga sargabaga uragabaga sargabaga uragabaga sargabaga. Pendant que tu essaies, tu acclames. While you are trying, you clap. Continue. Clap, you clap. Acclamation à Jésus-Christ. Yes, clap. Le Jésus à l'œuvre. Clap for Jesus. Lève-toi et marche. Rise up and walk. Toi qui ne marches pas, lève-toi et marche. You who walk. Lève-toi et marche. Rise up and walk. Fais des mouvements que tu n'avais jamais fait. Do movement that you have never si done. Si tu ne vois pas, ouvre ta Bible, tu regardes les versets. If you can't see, open your Bible. Dieu est en train d'agir. God is at work. Si tu as la foi, tu seras béni. If you have faith, you'll be blessed.
Si tu as la foi, tu seras béni. If you have faith, you'll be blessed. Acclamation, acclamation. Ovations, ovations. Acclamation. Clap, clap. Avec des cris de joie. With shouts of joy. Avec des cris de guérison. With shouts of healing. Des cris de guérison. Shouts of healing. Des cris de guérison. Shouts of healing. Des cris de victoire. Cries of victory. Jésus Christ. Jesus 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 Christ. Que les boules disparaissent. Let lumps disappear. Que les boules disparaissent. Let lumps disappear. Que les fibromes disparaissent. Let fibroids disappear. Que les fibromes disparaissent. Let fibroids disappear. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Jésus Christ. Jesus Christ. Jésus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Veuillez vous asseoir, nous voulons. Be seated, please. Six personnes. Six people. Qui vont rendre témoignage rapidement. Who will testify speedily? Je suis la sœur Inès Brou. J'ai pour faisant des disciples Maman Alphonsine. Gloire à Dieu. Je veux dire merci au Seigneur de ce qu'il m'a guéri. Il a guéri ma gorge. Depuis le mercredi, quand nous sommes venus faire la chaîne de prière, quand je suis rentrée, j'ai commencé à avoir des mal à la gorge. Le Seigneur m'a guéri ce soir et il m'a guéri des règles douloureuses. Que toute la gloire soit rendue. Amen. Suivant. Gloire à Dieu. Je suis Sylvie, ma sœur Roménée, missionnaire numéro 2 à Korogo. Le Seigneur m'a délivré du diabète au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Rapidement. Amen. Speedily. Gloire à Dieu. Oui, je la souhaite Tatiana, mon faisait d'ici maman Colin. Matin quand on venait, depuis jeudi, j'avais très mal à la tête. Ça va même quand on est venu, il y a mis pas 6 mois. Et ça allait même à l'hôpital là pour prendre des médicaments. Il a dit au docteur que je vais pas prendre, après je vais prendre. Quand on a commencé à prier tout à l'heure, le mal a disparu. Je n'ai plus froid, je n'ai plus mal de tête. J'ai commencé à remuer ma tête. Je ne sens rien. Je veux dire merci à Dieu que l'honneur, la gloire lui revienne. Amen. Oui, rapidement, merci pour la gloire patience. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Biécois Grâce et mon faiseur, c'est la sœur Joséphine Conné. Je veux dire merci au Seigneur qui m'a guéri des douleurs au niveau de la tête. Que tout l'honneur, la gloire lui revienne. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Kwaku Ayanina, mon faisant de disciples, c'est le pasteur Marc Ombléon. Je veux dire merci au Seigneur. Tout à l'heure, quand on priait, je sentais une forte chaleur dans mon corps. Je veux dire merci au Seigneur, lui qui m'a guéri des maux d'articulation. Que toute l'honneur, la gloire revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Le travail qu'on a commencé ce soir. The work we started this evening. Demain. Tomorrow. On enchaîne. We will continue. Le Seigneur est déjà là. The Lord is already here. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you.